Bonjour à tous, on se retrouve sur un nouveau test d'application qui est l'application DataFree que j'ai téléchargé dans les recommandés. Donc nous allons. Alors, il vous demande d'abord d'enregistrer votre code. Donc moi j'ai déjà fait cela. Donc mon code c'est cela, c'est ceci. Pardon. Et là je fais voilà, annuler. Et donc voilà, là vous pouvez mettre des médias, enfin des vidéos photos que vos amis. Pour. Que pas que vos amis voient. Des notes. Non merci, des notes, des contacts, bon, et ensuite attendez, je vais essayer quelque chose. Là j'ai l'application ouverte et je vais éteindre l'application et ensuite allumer. En fait c'est juste pour l'application, c'est juste pour gagner des données importantes si vous voulez. Donc voilà, vous faites, attendez, moi je sais mon code, c'est ça. Bon attendez, c'est bug là. Allez. Et là vous avez vos données, attendez, je vais essayer de changer. Bon, on peut plus. Attendez, je vais faire. Bon, voilà, c'était un petit test sur cette application. Donc, vous cliquez sur cette application là, DataFree. Et vous créez votre sécurisé, enfin, pour sécuriser votre truc là. Et vous mettez ce que vous voulez dedans. Donc, c'est une application. Bon, moi je trouve que c'est bof, ça sert pas à grand chose. On n'a pas tant de choses à cacher sur ça, sur un iPod. Quoique ça pourrait servir pour certains. Allez, bye. On se retrouve bientôt sur une nouvelle vidéo.